Chaque année, la Blitz ASBL essaye de trouver des vidéos pour sensibiliser sur le sujet, pour savoir ce qu'on peut faire en cas d'un AVC. Et cette année-ci, ce sera également une vidéo que vous pourrez voir dans les cinémas au Kirchberg et Autopolis. C'est un film qui a été réalisé et traduit par IP. Et la semaine prochaine, il sera diffusé aussi sur RTL. Lorsque son visage était très drôle, alors je savais qu'il s'agissait d'un AVC. J'ai tout de suite appelé l'ambulance et j'ai insisté tout de suite pour appeler l'ambulance. Sa façon de parler lorsque l'ambulance était là, j'ai téléphoné et ainsi l'équipe était préparée pour gagner beaucoup de temps précieux et pour sauver son futur. Le 31 octobre, c'est la journée internationale de l'AVC. Moi, je trouve que ce film, c'est une bonne réalisation cette année-ci. IP Productions l'a réalisé. Et lorsque je suis rentrée ici dans cette salle, je me suis dit, waouh, quel joli cadre. Nous nous retrouvons ici dans le château de Bettembourg, dont je remercie beaucoup la commune pour avoir la possibilité d'être là. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Josiane Lourcher, qui est première échevine de la commune de Bettembourg. Chère Chantal, quelle heure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Chantal, mais je peux dire qu'on peut l'appeler par son prénom parce que je pense que tout le monde la connaît. Elle est la fondatrice et présidente de la Blitz ASBL. Chère Rayeté, au nom du conseil communal et chevinal, je voudrais excuser M. Laurent Saimet, notre bourgmestre, mais également vous saluer ici tous les amis, ici dans ce beau cadre du château. Et je suis très contente de pouvoir accueillir beaucoup de gens ici. Madame Pascale Kolb, qui représente le ministre, et Monsieur Hagen, qui est le ministre de la Sécurité sociale, qui est malade, et docteur Jean-Claude Schmitt, qui est très connu au Luxembourg et surtout qui était dans les feux pendant la pandémie parce qu'il a fait un très bon travail. Et merci beaucoup d'être venu ici. Madame docteur Reif, qui est très connue aussi, toujours présente ici. Elle est neurologue au CHL et membre du comité scientifique de la Blitz ASBL, ensemble avec Dr Beissel, Dr Hoffman, Dr Brown et Thierry Dewin, toute une équipe de médecins compétents qui sont toujours là à nous supporter cette ASBL et en représentant toute l'équipe qui sont parmi vos rangs. Et c'est là plus de 9 ans qui vous accompagnent et qui vous donnent conseil. Donc, bienvenue. Et à Dr Caroline Kuhn, qui est neuropsychologue et psychothérapeute et directrice académique de l'université. Et merci d'être venue ici. Et bien sûr, Dr Dirk Drosten, le médecin de la stroke unique du CHL, qui réalise un superbe travail. Et j'espère que nous allons encore avancer dans cette stroke unit qui sont très liés aux patients parce que c'est le premier endroit où les patients sont pris en charge. Et bien sûr, je voudrais encore remercier notre musicien qui n'est pas médecin, Monsieur Raymond Cavallini, qui nous accompagne cet après-midi. Et un grand merci parce qu'il le fait avec une première pièce qu'on vient d'entendre déjà. Donc, chers invités, chers amis, mesdames, messieurs, en tant qu'échevine de la commune et en tant que vice-présidente de la Commission de la Santé des Chambres des députés, je voudrais tout d'abord exprimer mon grand respect et mes remerciements à l'ASBL Blitz pour le travail fantastique que vous faites depuis 2013 et
que vous représentez pour beaucoup de concernés. Et ceci avec Chantal Kaller, avec une combattante, c'est un mot très important. Et vous êtes présidente donc, et depuis 2013, toi, tu as vraiment contribué de façon très significative. Et c'est pas seulement que tu habites ici dans la commune, mais où la Blitz Inspire a également son siège social. Et vous êtes très apprécié avec 800 membres, je viens de les lire, sur votre site internet. Vous espérez atteindre les 1000 membres. Vous êtes actif dans le pays entier et vous faites partie des acteurs les plus importants dans ce secteur très complexe et difficile que représente l'AVC. Je pense à votre travail très précieux et surtout bénévole, il faut le souligner. Que ce soit dans l'information et la prévention, nous venons de voir un petit film symbolique qui représente pour tout ce que vous faites. Donc, vous donnez du conseil aux patients et à leurs familles qui vous ont fait connaissance en tant que coordinateur. Vous avez beaucoup d'activités que vous offrez et qui sont bien acceptés par vos membres. Je pense également à votre engagement infatigable pour ce qui est d'un centre de soins où les personnes concernées pourront être prises en charge. Parce que vous le savez tous, après un AVC, le retour dans une vie normale et dans la société, le retour à la profession, le retour à l'autonomie, est un pas très difficile et souvent très solitaire. Et en ce qui concerne les familles et les concernés, plus elles sont mieux encadrées, plus elles arrivent mieux à faire ce chemin. Surtout pendant la pandémie, ce n'était pas toujours évident d'être toujours ensemble et même aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Oui, parce que depuis le début de la pandémie, la vie et la cohabitation au Luxembourg a vraiment sur des rudes épreuves, surtout pour le personnel traitant dans les hôpitaux. Beaucoup de gens étaient vraiment très solidaires, actifs. Il n'y a personne qui remet ça en question. Et c'était un très beau signe de solidarité. C'est clair que les médecins ont, et le personnel soignant et les médecins ont vraiment fait un très grand travail et il mérite vraiment notre très grand merci. Cela ne change rien à la pandémie, surtout pour les vieilles personnes qui ont encore été plus seules et isolées et la pandémie les a encore rendues plus vulnérables. Et pour cette partie de la population, les patients de l'AVC en font partie aussi parce qu'ils sont souvent oubliés dans les débats publics. Il s'agit de plus de 1400 personnes par an et c'est pour cela que l'engagement de la Blitz est tellement important pendant cette pandémie. En tant que représentante de la commune, je te souhaite Chantal et toute ton équipe qui t'accompagne beaucoup d'énergie et de force pour l'avenir. Et si j'avais un désir aujourd'hui, un vœu à faire, alors ce serait que votre engagement pour ce centre de soins va être bientôt sur la bonne route. Je suis sûre que vous avez rendu beaucoup de gens beaucoup plus autonomes et rendu la joie de vivre avec tout le travail que vous avez fait dans les 9 dernières années. Les activités thérapeutiques et physiques sont offertes au centre de réhabilitation où elles trouvent également du conseil et de un programme de prévention pour ce qui est de la tension haute et les chansons avec Camille Kerger, très connue également en tant que thérapie pour des personnes qui ont perdu leur langage à cause d'un AVC ou bien des offres de mouvements comme la pétanque qui crée également de nouvelles amitiés. Journée de la porte ouverte qui, depuis cette année, est faisable à Hunsharange dans notre nouveau centre culturel. Et je suis sûre qu'une seule journée ne va pas suffire
mais ce centre est toujours à votre disposition. Et il ne faut pas oublier vos éclairs, ce geste sympathique et très convivial qui vous permet de rendre attentif sur votre association et qui est également un merci culinaire pour tous ceux qui vous soutiennent. Cher Chantal et chère équipe de la Blitz, vous êtes là lorsque les patients ont besoin de vous. Et en tant que commune, nous sommes là lorsque vous avez besoin de nous, partout là où nous le pouvons. Un autre partenaire très important, c'est le gouvernement et surtout les ministres de la Sécurité sociale, de la Famille, de la Santé, qui aujourd'hui seront parmi nous et représentés par des messages vidéo. Moi, je suis convaincue qu'eux aussi, en tant que représentants de notre gouvernement, seront également là pour vous et qu'ils croient en vous. Et qu'à l'avenir, ils vont également vous soutenir avec le soutien que vous méritez pour le bien des familles et des concernés. Beaucoup de courage et bonne fête l'année prochaine, que ce soit le 10e anniversaire, que ce soit ici ou bien à une tranche dans le centre culturel. Vous avez le choix et nous sommes prêts. Merci beaucoup, Madame Lorcher, pour ces mots chaleureux. Et si je regarde Chantal, elle est rayonnante. Alors, nous allons continuer. La ministre s'excuse, elle ne peut pas être parmi nous, mais elle nous adresse un message vidéo. Chaque jour, 4 personnes sont atteintes d'un AVC au Luxembourg, avec les conséquences, que ce soit pour eux ou pour leur famille. L'hypertension artérielle est l'une des causes principales, et c'est pour ça que chaque année, dans les pharmacies et les hôpitaux, on a la possibilité de passer une échographie de la carotide. L'importance de cette campagne a fait ses preuves. Parce qu'après chaque année, une personne au moins a dû être opérée. Le travail de conseil, de prévention dans le cadre de l'AVC et sur le reste de l'année est extrêmement important pour limiter l'impact sur les patients et leurs familles. Un grand nombre d'AVC pourraient être évités, d'où l'importance de reconnaître les symptômes et d'appeler immédiatement une ambulance. Je voudrais attirer l'attention sur un nouveau programme mis en place au CG10, à savoir que lorsque vous appelez le 112, l'hôpital et le matériel seront déjà avertis et pourront également faire des études pour voir combien de personnes ont été concernées. Pour cette édition de la Journée mondiale, l'AVC, on parle surtout de la fatigue qu'on ressent après un AVC. On peut le comparer à une maladie du COVID. On a l'impression que les piles sont seulement chargées à moitié et cela rend un retour dans la profession très difficile et malheureusement, on ne trouve pas toujours le soutien dans la société. Ici, je voudrais remercier encore une fois l'association Blitz et tous ses partenaires pour leur engagement inépuisable au cours des 9 dernières années. Ceci permet aux personnes concernées qui rencontrent beaucoup de difficultés qu'ils peuvent également avoir du succès. Je souhaite beaucoup de courage à tous les participants et à leur façon, car leur travail de sensibilisation est une grande partie de ce travail. Un grand merci à Madame Lehnert et Dr. Jean-Claude Schmitt, que nous connaissons tous de ces deux dernières années parce qu'il était souvent présent à la télé et la personne dans laquelle on avait confiance. Alors, il est spécialiste en médecine interne et infectieuse. Il a travaillé 19 ans dans la clinique de voyage au CHL avant d'accepter le titre de directeur de la santé. Grand merci. Madame la Présidente, chère Chantal, chers membres de la Blitz, chers invités, chers tous. Je suis toujours ravie d'être invitée. Chantal, elle insiste toujours pour que j'arrive. Mais d'un autre côté, on dit si le ministre est présent, alors le fonctionnaire n'a rien à voir. Et ce n'est pas à lui de tenir un discours. Donc, je vais donc faire une exception. Alors, il ne faut pas le divulguer chez Paulette. Mais ce qu'elle vient de dire ici
Madame Lienhardt, c'était très pertinent et elle a déjà résumé certaines choses. Et moi, je voudrais encore donner des aspects un peu plus pratiques et les commenter. Pendant la pandémie de COVID, on a beaucoup discuté et on s'est demandé est-ce qu'il y a une négligence d'autres maladies parce qu'on était tellement concentré sur le COVID. Alors, bien sûr qu'il y a des chances manquées pour d'autres maladies. Il faut vraiment le relever, c'est très clair. Et heureusement, nous sommes sortis de cette phase-là et nous sommes en train de nous rattraper de ce que peut-être nous avons manqué. Et maintenant, nous parlons tous d'une nouvelle normalité qui, pour la direction de la santé, n'est toujours pas devenue une normalité parce que nous avons encore toujours affaire avec COVID. Nous gérons encore deux centres COVID, même si le contact tracing a été réduit. Mais néanmoins, il y a toujours toute une partie de gens qui sont positifs, qui veulent avoir des informations et toute une partie de nos gens sont mobilisés pour le COVID et tout le reste est toujours mis en retrait. Et comme partout, nous avons une pénurie de professions de santé. Nous avons peu de médecins qui s'intéressent pour la santé publique. Ce n'est pas vraiment le secteur le plus attractif pour les médecins. Et dans les autres professions, les infirmiers, nous ne connaissons pas trop de succès lorsque nous recrutons. Beaucoup de postes restent ouverts et malgré tout, nous devons essayer de faire de notre mieux. Et le retard que nous avons accumulé, il faut le rattraper. En tant que santé, nous sommes en train de réorganiser et rendre notre travail plus efficace. On l'avait déjà commencé avant la pandémie. Et maintenant, dans les mois à venir, nous allons vraiment mettre l'accent sur la prévention. Je sais que ce n'est pas votre point d'intérêt le principal, parce que vous avez surtout le volet curatif et comme le centre pour traitement. Mais bien sûr, tout ça, c'est essentiel. Et nous avons 4 personnes donc, par jour qui subissent un AVC par jour au Luxembourg. Et si nous pourrions éviter cela, parce que nous travaillons de façon plus préventive, bien sûr, on ne pourra jamais les éviter tous, mais peut-être l'un ou l'autre, et là, nous aurons déjà fait mon travail. L'hypertension est bien sûr un facteur de risque, mais vous avez tout un autre nombre de facteurs de risque, comme les maladies cardiovasculaires, le cholestérol, le tabac, où nous sommes vraiment très mal placés, beaucoup plus mal placés qu'il y a quelques années, parce que beaucoup plus de jeunes gens commencent à fumer. Et là, vraiment, il faut que nous nous en occupions. Nous sommes donc réorganisés avec de nouvelles personnes que nous avons pu recruter. Et c'est notre priorité en tant que direction de la santé pour les mois à venir. Et les amis voilà, aussi. Donc, c'était brièvement pour vous dire ma vision. Pour le restant, il y a déjà bien de choses qui ont été dites. Je voudrais encore vraiment vous remercier encore une fois. Tout le monde ne cesse de le dire, mais vraiment à vous, la présidente, qui est très engagée. Et un grand merci à toute l'association, parce que ce n'est pas une show d'une seule femme, mais il y a bien d'autres gens qui sont très actifs en arrière-fond. Et nous, en tant que santé, nous allons continuer à vous soutenir. Et ce centre de traitement pour les patients d'un AVC, je pense que nous allons le réaliser aussi un jour. Merci beaucoup, Dr Jean-Claude Schmitt, et merci surtout d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais tout de suite passer la parole à M. Klothagen, qui n'est pas là, mais Mme Kolb, qui est là de la Caisse dépendance, et elle est représentante du ministre Klothagen, donc. Oui, merci. Madame Chantal Kaller, présidente de la SPL, Madame José Lorcher, première échevine de la commune de Bettembourg et députée,
Monsieur le directeur de la santé, Dr Schitt, chers membres de l'ASPA, chers invités d'honneur et conférenciers et tous ceux que j'aurais peut-être oubliés. Comme on vient de le dire, le ministre Hagen, ministre de la Sécurité sociale, doit s'excuser pour aujourd'hui et j'essaie donc de le représenter au mieux. Comme les autres locuteurs ont dit, c'est très important de sensibilité pour qu'on puisse interagir très rapidement en cas d'un AVC. Comme nous le savons, ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Dans le domaine de la sécurité sociale, la caisse de dépendance est là pour soutenir les gens qui ont subi les séquelles à travers un AVC. Rien que cette année, entre janvier et fin septembre 2022, la caisse de dépendance a déjà regroupé 400 nouveaux patients suite à un AVC. Permettez-moi, en tant que collaboratrice de la caisse de dépendance, que je voudrais nommer certains chiffres. C'est 429 personnes font 7,6% de tous les bénéficiaires où nous dressons un plan de soins. C'est équivoque entre femmes et hommes, et ces bénéficiaires vivent à la maison et un tiers dans un établissement. De ces patients qui sont traités à la maison, il y a deux tiers qui sont soutenus par un service de soins à domicile à côté des soins de leur entourage direct. La moyenne d'âge est de 74 années. Et si un tiers est entre 80 et 90, et il faut relever que 3% sont plus jeunes que 40 ans et 11% entre 40 et 50 et 20% entre 60 et 69 et 23% entre 70 et 79 ans. À travers la caisse dépendance, les personnes concernées peuvent avoir recours à des aides pour les actes essentiels de la vie, c'est-à-dire pour l'hygiène corporelle, l'accompagnement aux toilettes ou pour s'habiller, se déshabiller, pour la mobilité et lors des repas. Indépendamment de ces cinq secteurs, nous pouvons également soutenir le renforcement de l'autonomie des concernés à travers des aides techniques, surtout dans la mobilité et plus spécifiquement des aides techniques comme par exemple des appareils de communication. Ou bien on peut également faire des adaptations au logement. Bien sûr, la salle de bain, c'est toujours prioritaire, ou la cuisine, éventuellement, des adaptations des voitures en font partie également. Ça peut être une boîte automatique, par exemple, ou des adaptations plus spécifiques du volant. Toutes ces prestations pour les personnes concernées sont une aide très importante pour leur permettre une vie assez autonome et rester ou faire part encore de la vie active. La caisse dépendance prévoit également des prestations sous forme d'argent pour les personnes qui ont des dysarthries ou des aphasies ou sans d'autres limitations. Ce sont les dispositions particulières. Toutes ces prestations sont d'autant plus importantes que l'on voit que beaucoup de personnes d'un certain âge sont concernées encore lorsqu'elles se trouvent en pleine vie active. Et bien sûr, la prévention et l'information sont l'une des mesures les plus importantes. Et donc, au nom du ministre Hagen et de la Sécurité sociale, un très grand merci à la SBL Blutz pour tous les travaux de sensibilisation à ce sujet important. Et nous vous souhaitons à l'avenir également l'énergie nécessaire et l'engagement nécessaire pour continuer dans la bonne direction. Et moi, personnellement, je suis très contente que, de façon informelle, j'avais arrangé avec Madame Kaller qu'entre la caisse dépendance et votre ASPL, qu'on va
essayer d'avoir une meilleure collaboration et plus constructive, surtout dans le sens de l'information pour toutes les personnes concernées. Je vous remercie beaucoup. Madame Kopp, je vous remercie également. Un éclair dans la tête, un AVC, c'est très grave pour les concernés, mais également pour tout leur entourage. Et pour la réhabilitation, c'est d'autant plus important d'avoir des gens autour de soi. Et c'est pour ça que je laisse la parole à Madame Corinne Kahn, ici également dans un message vidéo. Madame la Présidente, chers membres du Conseil d'administration de la BLEDS-ASBL, chers membres, chers invités d'honneur, mesdames, messieurs, malheureusement, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui exceptionnellement et je m'en excuse. Grâce à votre travail, j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années. Et grâce à vos conférences également, la sensibilisation et votre devoir prioritaire, quels sont les indices d'un AVC? Comment agir? Par ma propre expérience, je sais qu'il n'est pas facile à convaincre quelqu'un qui présente les signes d'un AVC de se rendre à l'hôpital en urgence. C'est pour cela que l'information est d'autant plus essentielle, car chaque minute compte lors d'un AVC. Et également, après un AVC, on a besoin d'informations et on les obtient chez vous. Ainsi, aujourd'hui, vous allez parler de la fatigue après un AVC. C'est rassurant de savoir certaines choses qui sont normales et qu'on n'est pas tout seul. Je voudrais vous remercier pour tout votre travail précieux et j'ai la chance de vous accompagner pendant de nombreuses années et vous avez aidé beaucoup de personnes qui étaient perdues. Merci encore une fois pour tout ce que vous réalisez et à l'avenir, vous pouvez bien sûr compter sur mon support. Merci beaucoup pour tout. Un grand merci à Madame Korenka. Et sur Internet, j'ai trouvé le témoignage d'une dame qui a fait deux AVC. Et sur la question, ce qui a changé après un AVC, elle a dit, je vois la vie avec d'autres yeux et je sais l'apprécier beaucoup plus. Je trouve que c'est un témoignage très fort et la BLEDS-ASBL n'existerait pas sans Chantal. Et maintenant, je laisse la parole à toi aussi, Chantal. Merci à vous tous. Merci pour ces mots très chaleureux qui ne sont pas seulement pour moi, mais bien sûr pour toute mon équipe, car sans cette équipe, tout ce travail ne serait pas possible. C'est pour ça que j'accepte ces remerciements. Bien sûr, chaque année, nous célébrons la journée de l'AVC mondiale et comme chaque année, nous avons une grande campagne que nous faisons, surtout dans les hôpitaux, pour que les gens puissent se faire vérifier les carotides si jamais il y a des soucis. Et là, nous sommes très reconnaissants que les quatre hôpitaux nous soutiennent, que les médecins ou que les neurologues le font de façon bénévole. C'est une chance inouïe et il faut vraiment être très reconnaissant pour ce qu'ils font. Et au CIRGEL, nous avons déjà commencé et la semaine prochaine, nous serons à Esch, ensuite au Kirchberg et à Edelbrück. Dans les hôpitaux, bien sûr, on prend l'attention et nous sommes très contents d'avoir une collaboration avec le personnel soignant, un très grand avec les pharmacies, parce que toutes les pharmacies dans le pays offrent pendant une semaine la possibilité de se faire prendre l'attention et d'obtenir un dépliant où on peut voir sans risque d'avoir un AVC ou non, où tous les facteurs de risque sont énumérés. Et en troisième, nous avons notre petite éclair. C'est toujours très beau dans les pâtisseries que les gens peuvent aller dans des pâtisseries et par éclair, nous touchons 30 centimes par éclair qui sont renversés à la BLEDS-ASBL. C'est une très grande chance, cette collaboration avec les boulangers, parce que
que là également, les gens obtiennent un dépliant avec les facteurs de risque pour un AVC. Ça, c'est la grande affiche. L'autre que vous voyez ici, c'est que pendant toute une année, et il faut dire que de la part de notre secrétariat, où il y a deux personnes formidables qui y travaillent, il y a deux personnes donc, qui, si, lorsqu'on habite au pôle Nord, eh ben, elles vont des frigos. Si elle a pris contact avec toutes les communes pour demander si notre affiche serait représentée dans les bulletins communaux. Et de cette façon, nous avons beaucoup de communes qui participent et qui le publient en français et en luxembourgeois. Et ainsi, nous avons déjà réussi la première étape et l'année prochaine, la deuxième étape sera que cette affiche va apparaître dans tous les bulletins communaux. C'est très important, comme ça nous atteignons vraiment sur le niveau national à travers ces bulletins communaux. Le prochain point, c'est comme vous le savez, je l'avais déjà annoncé l'année dernière, nous faisons partie de la SAFE, l'organisation européenne. Nous sommes représentés à deux. C'est Dr. Reif, qui est neurologue, qui m'accompagne toujours, et les présidents des associations qui sont présents. Ici, vous voyez tous les pays qui en font partie, entre autres également l'Ukraine. Et lors du début de la guerre de l'Ukraine, je lui ai écrit tout de suite, c'est un neurologue, et je ne sais pas s'il a rejoint la guerre, s'il est encore en vie ou non, mais lui, c'était une des nombreuses personnes qui est dans ce SAFE. Alors, il s'agit de quoi? Eh bien, c'est une association qui est au niveau européen et ils ont fait un plan d'action qui vise l'année 2030 qui ont comme objectif de réduire les AVC de 10% à travers les informations. Et le plus important, c'est que dans tous les hôpitaux, et là nous sommes en train de travailler dessus, avant la pandémie, tous les hôpitaux étaient presque prêts, qu'ils ont une certification pour le département du stroke. Donc, c'est-à-dire que tous les hôpitaux ont le même principe. Et malheureusement, la pandémie nous a retardés, mais entre-temps, le CHL a sa certification et d'autres hôpitaux, je ne vais pas les nommer, mais à Tilbrück, ils sont en train de travailler sur cette certification et H également. Et je crois que le Kirchberg également, c'est une procédure très longue qui prend normalement un an avant achèvement, mais on y travaille. Quelles sont les conséquences d'un AVC? Eh bien, elles dépendent de ce qui va intervenir. Combien le feu a pris? Est-ce que tout a été brûlé ou seulement une partie? Parce que là, plus le feu aura été grand, plus ce sera difficile de récupérer. Bien sûr, l'âge joue un rôle important également et la localisation est très importante également dans le cerveau. C'est pour ça qu'on ne cesse de répéter l'urgence d'aller dans l'hôpital. Et vous le savez tous qu'il y a deux différentes sortes d'AVC. L'une, c'est la c'est des AVC ischémiques et l'autre, c'est des hémorragies dans le cerveau. Et vous voyez donc que les problèmes qui en résultent, des problèmes avec la marche, l'aphasie, des crises épileptiques très souvent, ou bien la difficulté de se concentrer, ce qui vient plus tard. Ensuite, nous avons eu cette fameuse pandémie dont Dr. Schmidt a dit qu'elle était une vraie catastrophe parce que beaucoup d'autres maladies avaient vraiment leurs problèmes, surtout les gens concernés par l'AVC. C'est-à-dire que les gens se rendaient à l'hôpital.
Et si on ne savait pas ce qui s'était passé, qu'on se réveille, qu'on ne voit plus très bien et que la moitié du corps ne réagit plus comme il faut, et la seule chose qu'on voudrait, c'est que quelqu'un vous prenne dans vos bras et qu'il vous dise, nous allons le traverser ensemble. Mais comme il y avait la pandémie, les gens étaient tout seuls à l'hôpital, et si j'ai une aphasie, et si je comprends ce que je veux dire, mais si le tunnel qui ne me permettra plus de m'exprimer proprement, alors c'est très très compliqué et c'est un vrai désastre. Il n'y a rien de plus grave. Et même chez moi, j'ai pris beaucoup de temps pour prononcer le bon mot. Et si vous imaginez une minute que vous voulez dire un mot, exprimer quelque chose, une idée fixe qui vous est dans la tête, et tout ce qui sort de votre bouche, c'est le blablabla, et ben, c'est un désastre. Au début, vous essayez et réessayez, mais c'est toujours le mauvais mot qui sort, et à un moment donné, vous allez abandonner. Et pour qu'on n'arrive pas là, et ben, il y a l'association Blitz. Un autre grand problème qu'on connaît, et bien, c'est qu'on n'avait jamais osé imaginer une guerre en Europe et nous n'avions jamais imaginé être confrontés à cette situation. Est-ce que ça a des répercussions sur l'AVC? Eh bien oui, parce que tout le monde nous dit d'économiser le chauffage. Oui, c'est vrai, mais si j'ai subi un AVC, alors j'ai beaucoup d'espasmes. Et si je n'ai pas assez de chaleur, alors la douleur s'accentue beaucoup plus. Moi, je le remarque dans mes jambes et j'ai l'impression que ma jambe est trop courte. Mais ce n'est pas une blague, mais j'ai l'impression que ma jambe est devenue trop courte. Et ces spasmes, ça fait énormément mal. Et lorsqu'il faut réduire le chauffage, ben, alors les spasmes vont augmenter. Donc il faut vraiment le voir et essayer d'avoir au moins quand même une pièce qui est chauffée convenablement. Parce que de dire nous allons descendre la température de 3 degrés, c'est pas de problème. Mais pensez aux gens qui ont subi un AVC et qui ont des problèmes avec des spasmes parce que pour eux, c'est un vrai désastre. Ensuite, bien sûr, nous allons atteindre, parler de notre sujet d'aujourd'hui, c'est la fatigue après un AVC. Si vous voyez le tableau que vous voyez, la vitrine, il y a peut-être 90% d'énergie, vous commencez votre journée et votre batterie, elle diminue peu à peu. Après un AVC, ce n'est plus le cas parce que votre batterie sera seulement chargée à 50% au départ. Et c'est comme avec un GSM, si la pile est devenue mauvaise, eh ben, elle va être plate tout de suite. Après un petit effort, vous l'avez, eh ben, la batterie sera déjà plate. Et cela va nous mener à des conséquences. Une partie des gens le comprennent, qu'ils doivent se reposer, et d'autres personnes ne le font pas, et là, elles vont être agressives vis-à-vis de leur partenaire. Nous le voyons souvent, que des gens disent « Oui, mon mari, il crie toujours sur moi », ou bien les maris qui disent « Ma femme, elle n'est plus comme elle est devenue un autre personnage, elle a toujours encore l'air physiquement comme mon partenaire, mais elle n'est plus ». Et si cette fatigue est là, et ben les agressions vont surgir et s'ajouter. Et en réalité, c'est comme ici sur l'image, nous avons une très grande fatigue. Et là, je suis très reconnaissante qu'aujourd'hui, Dr Kuhn est au Luxembourg, qui maintenant va nous donner ça. Son exposé sur la fatigue. Merci beaucoup. Je vous remercie déjà d'être là ce dimanche que vous avez osé venir ici, le dimanche des manteaux, et que vous êtes là pour notre session de Blitz. Merci beaucoup. Merci.
Merci Chantal, en 22, avec 22 degrés dehors, on n'a même pas envie d'acheter un manteau. Docteur Kuhn, elle travaille comme neuropsychologue et elle parle des changements après une maladie neuro. Et maintenant, elle va nous faire un discours sur la fatigue après un AVC. Merci pour vos mots chaleureux d'introduction, cher auditoire, madame, messieurs, madame Kaller. Je vous remercie pour votre charmante invitation et surtout que j'ai l'honneur ici de parler des conséquences qui sont souvent là, à savoir après un AVC, le post-stroke fatigue. Le mot de post-stroke fatigue, il s'explique de soi-même et dans la réalité clinique, ce phénomène est malheureusement pas du tout très facile à décrire et de façon très intéressante, il est le moins accessible pour nos patients concernés. Si nous avons ces mots post-stroke et d'analyser la symptomatique et que nous nous demandons de quelles sont les conséquences ou les conséquences voit et avec quoi sont alors le symptôme sont l'impression persistante d'une lassitude et de l'absence d'énergie et de la force de motivation et d'énergie de l'initiative pour qui sont quand même très importants pour ma vie quotidienne, que je voudrais faire dans ma vie quotidienne. Ce n'est pas que des choses qui me sont désagréables qui vont faire que ce sentiment persiste, mais même des choses qui sont agréables peuvent quand même me donner ce sentiment d'épuisement. Ça veut dire quoi exactement si nous parlons d'épuisement? De quelle période parlons-nous? Pour ça, nous avons peut-être besoin de quelques points de référence. Un cerveau adulte, en moyenne, peut... Oui. Donc, un cerveau sain peut normalement se concentrer 50 minutes de façon très bien et même si les problèmes sont complexes. Et après, on aurait besoin d'une pause de 10 minutes pour pouvoir continuer sur ce niveau. Donc, de façon conséquente, cher auditoire, je devrais maintenant vous renvoyer dans une pause de 10 minutes et ensuite continuer à vous parler. Mais là, je ne veux pas que vous soyez fâchés si je vous renvoie maintenant. Mais si nous parlons de patients neurologiques, alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voudriez dire combien que vous pensez au lieu des 50 minutes pour un cerveau normal? Est-ce qu'un cerveau après un AVC peut se concentrer? 10? Un 10? En effet, dans les premières 6 semaines après l'événement aigu, et toutes les études le démontrent, indépendamment de l'âge du patient et de l'endroit de ce qui s'est passé, que ce soit un AVC ischémique ou hémorragique, les patients sont normalement dans des bonnes journées chargeables pendant 10 minutes. Ensuite, ils auront besoin d'une pause parce que plus rien ne marchera. Et 3 mois après, de façon optimale, ce sera un quart d'heure. Ça veut dire que nos expériences
Elle démontre qu'en moyenne, nos patients luttent entre 18 à 36 mois après l'événement, qui se démontre que dans de bonnes journées, elles auront peut-être pouvoir se concentrer entre 25 minutes et 30 minutes. Et s'ils ont une mauvaise journée, ça peut déjà être fini après 5 ou 10 minutes. Et ce qui est typique, c'est qu'on ne sait jamais prédire est-ce que j'aurai une bonne journée, si je peux participer pendant 30 minutes à une discussion, ou est-ce que déjà après 10 minutes, je vais me rendre compte que rien ne va plus. Et ceci le rend de façon très émotionnelle, qui est très difficile à accepter. Parce qu'ils n'ont pas d'explication pour ça. Ce qui est très important, c'est qu'on sache que cette grande fatigue n'est pas une somnolence, mais elle se montre sous beaucoup de formes. Et ça dépend bien sûr de la personnalité individuelle du patient. Un patient va remarquer la fatigue de façon cognitive, que soudain il aura des problèmes d'articulation. Il est très intéressé à la discussion, mais néanmoins, il va voir qu'il ne pourra pas s'exprimer. Un autre va un peu se fâcher ou être irrité. Bien qu'il se soit réjoui d'avoir de la visite, et même les invités se sont réjouis de les revoir. Et dès qu'on se rencontre, eh ben, ils se rendent compte qu'après 10 minutes, oh, j'ai plus envie. Moi, je pense que l'un ou l'autre d'entre vous a déjà remarqué ce phénomène auprès de vous ou d'autres de vos proches. Alors, comment est-ce que vous allez réagir? Quelle est l'interaction et la réaction? Eh bien, souvent, c'est bien d'encourager le patient, de le renforcer, de lui dire « Oh, essaye, concentre-toi un peu et tu vas voir, ça va aller. » Et là, je vais vous dire tout de suite, c'est un no-go, des réactions similaires. Je dois déjà le formuler ici, c'est très important pour moi. À côté des épuisements cognitifs, il y a également l'épuisement corporel. Corporel, ça veut dire dans ce cas que si, par exemple, depuis votre AVC, vous souffrez de spasmes et que ces spasmes se sont bien réglés, mais soudain, lorsque vous êtes trop fatigué, vous allez de nouveau en souffrir. Ou bien vous avez des troubles des douleurs. Vous allez remarquer que soudain, il y a un sentiment que 1000 fourmis vont vous monter sur le bras. Ou bien vous avez des troubles avec la vision. Vous avez l'impression que vous avez des troubles de voir très concrets et que l'image est très floue devant vous. Bien sûr, ça, ce sont des phénomènes qui vont vous angoisser parce que d'habitude, ils surviennent seulement après les premiers mois ou après les premières phases de la maladie. Et dans une époque où les patients seront normalement déjà retournés à la maison, ils sont très reconnaissants de pouvoir dormir dans leur propre lit, sortis du lit d'hôpital, et que leur motricité a été stabilisée un peu, et qu'ils peuvent marcher un peu. Et là, vous allez de plus être déçu que soudain, dans votre vie quotidienne, ces troubles de grande fatigue vont surgir. Bien sûr, ceci a des conséquences. Je viens de parler de l'entourage, comment ils peuvent réagir sur la fatigue.
Et en effet, il faut le dire, dans certaines structures psychosociales, dans des amitiés ou dans les familles ou dans votre profession, et que les gens sont retournés dans leur profession, cela peut vraiment mener à des conflits parce que vous n'allez plus être capable d'agir comme c'était le cas avant. Les patients eux-mêmes trouvent qu'ils sont étranges à eux-mêmes et cela les angoisse. Et cela mène souvent qu'ils sont gênés. Et pour éviter ceci, ils essayent le moins possible de se rendre dans des situations pareilles pour ne pas s'exposer à des situations où ils ne vont peut-être plus participer à une discussion par peur d'être là comme une personne qui n'est plus apte de ses sens. Et bien sûr, ils peuvent risquer de tomber dans des dépressions. Ceci mène souvent à des dépressions et qu'il faut vraiment éviter ou dissoudre dès le départ. J'ai très peu de diapos, mais ici je vous montre juste un diagramme d'une étude norvégienne qui en fait une étude préliminaire et qui parle des différents facteurs des problèmes autour d'une fatigue et qui parle de l'anatomie de ces symptômes. Ils ont regroupé ceci sur le côté droit, la barre gauche, les caractéristiques de la grande fatigue. C'est ce que je viens de parler. Il y a différentes qualités pour les personnes concernées, comment ils le vivent. Encore une fois, ça peut être de façon cognitive, ça peut être de façon corporelle, physique, émotionnelle, des réactions pour l'auto-observation. Ce qui est très caractéristique, c'est que ça va toujours dépendre de l'heure de la journée. Et mes patients me disent souvent, moi je me fâche tellement. Hier, je me suis sentie tellement formidable que j'aurais pu arracher des arbres. Et ce matin, je ne pouvais presque plus lever ma tasse de café ou bien lire le journal parce que la famille était autour de moi et que la radio était allumée et tout. Donc c'était trop. Les patients ont donc besoin de beaucoup d'heures de repos, de temps de repos. Et la pathologie de cette fatigue, ce qui la caractérise après un événement tellement important. Et quelle est donc la pathologie? Quand est-ce que la pathologie commence? Eh bien, on les définit une fois dans les laps de temps, ce que je viens de dire tantôt, entre 10 et 15 dans les premiers mois, jusqu'à dans les 1 heure, 1 heure et demie qu'on peut se concentrer. Et en même temps, la qualité des phases de repos et des répercussions de ce repos sur le patient. Et je vais vous expliquer tantôt que pour les pauses qu'on fait, on ne parle pas de sommeil. Mais nos patients, bien sûr, dans leur premier secours, ils essayent de réagir et de voir. On est très fatigué, très épuisé, donc on essaye de se reposer beaucoup et de trouver le sommeil si c'est possible. Mais il faut dire que chez nos patients neurologiques, une grande partie va être... ils ont affaire à des problèmes pour s'endormir. Donc là, il y aura un cercle vicieux qui peut surgir de ça et où c'est très difficile d'en sortir. Ce qui est très néfaste
c'est que c'est invisible, cette problématique. Parce que bien sûr, c'est très dramatique si à travers un AVC, vous avez une hémiplagie ou une aphasie, que vous n'arrivez plus à vous à communiquer de façon optimale. Ce qui est bien, c'est que pour ceux qui sont autour de vous, c'est visible. Mais si vous avez quelque chose que que personne ne voit, c'est très difficile de le communiquer à l'entourage. Et ce qui est toujours très touchant de le voir, c'est que nos patients ont souvent des problèmes à croire en soi-même. Ma plus jeune patiente avait 21 ans lorsqu'elle a fait un AVC ischémique. Elle était hémiplégique et elle était très sportive, une étudiante. Elle n'avait pas de troubles cardiaques et pas d'anamnèse familiale. Et quand même, cette fille, comme elle était jeune et très sportive, elle n'avait pas des séquelles motrices. Et on pensait qu'elle était laissée de l'hôpital. Et elle a repris ses études 3 mois plus tard. Et là, elle a constaté que soudain, elle n'arrivait plus à suivre du tout dans les cours. Elle était très, très intelligente. Et là, elle a pleuré. Et elle m'a dit, j'ai l'impression que j'ai perdu tellement de points IQ que je n'arriverai plus jamais à mener une bonne vie. Et chacun qui me voit, ils me disent, non mais, où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que ta bonne mine? Où est-ce que tu étais? Quand est-ce que tu vas revenir? Eh bien oui, cette patiente, je vous donne cet exemple pour vous dire combien c'est difficile de souffrir de quelque chose qu'on ne peut pas articuler vers l'extérieur et où soi-même on n'a pas trop d'explications. Et là, je crois que tout ça a des répercussions sur le bien-être émotionnel des patients. Et si je ne parle pas du niveau émotionnel, alors bien sûr maintenant, alors se pose la question, que faut-il en faire? Parce que comment on constate que cette fatigue est bien plus que une réaction à une maladie? Est-ce que c'est quelque chose de pathologique qui va main en main avec la maladie du cerveau? Qu'est-ce qu'on en fait? Et je peux déjà vous donner la solution un peu, parce que ce qui compte le plus, c'est le savoir autour de la maladie et du trouble. Donc, une éducation psychologique est très importante pour la phase d'adaptation de cette problématique. Et là, on fait partie d'une journée d'information comme celle-ci où vous êtes présent maintenant. Le deuxième point, ce sont les stratégies émotionnelles. Ça veut dire quoi? Eh bien, il faut nommer l'enfant. Il faut que je sache de quoi il s'agit et pas que je me l'imagine tout simplement. Non, qu'il y a des explications pour ça. Et ça peut vraiment vous soulager. Et si on pense que si lors d'un AVC aigu et sévère, ces symptômes post-fatigue peuvent durer jusqu'à 5 ans après. Ils ne vont pas disparaître après une demi-année. Et qu'on va dire, tout ce qui n'est pas revenu après une demi-année ne va plus revenir. Non, là je peux vous dire, même des années après, à travers un entraînement conséquent et une adaptation de son comportement conséquent, on peut avoir des améliorations. Mais il faut quand même avoir un suivi thérapeutique. Les stratégies du comportement seraient, et là, je ne cesse de le répéter, des pauses, des pauses, des pauses. Nos patients
ont toujours les devoirs à domicile à faire dans les premières heures, de vérifier exactement lors de quelle activité et lors de quelle durée cette fatigue surgit. Par exemple, après 15 minutes. Et dans ce cas-là, nous lui donnons comme deuxième heure que la prochaine fois pour le même devoir, ne pas seulement rester 15 minutes, mais seulement 10 minutes. Et bien qu'ils ne soient pas encore fatigués, la situation dans laquelle ils vont se trouver, de la quitter et ne pas se reposer. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de sortir de cette concentration et de se rendre et de faire quelque chose de routiné. Que vous allez dans la cuisine, vous préparez une tasse de thé, aller sur le balcon, ne pas fumer, mais peut-être faire un peu de stretching, et puis de retourner, et ensuite de continuer à travailler pendant 10 minutes. Donc, c'est comme on vient de parler, de recharger le portable. Et bien, c'est similaire, de le faire de façon très intelligente, et de voir, de veiller à ce que le déchargement ne soit pas complètement déchargé et de recharger à temps. Alors, cette prévalence, si nous voyons cette étude, nous trouvons une très drôle de statistiques, presque entre 50 et 80% des patients rapportent et parlent de cette fatigue. Moi, en fait, je peux confirmer que chaque deuxième patient en souffre. Il faut dire également que les patients qui ont eu un AVC plus léger, avec des séquelles plus sérieuses, mais ils restent toujours, même des années, qui vont souffrir de cette fatigue, indépendamment que ce soit un AVC ischémique ou hémorragique. Et ici, je vous ai mis deux études différentes qui sont un échantillon d'environ 10 000 patients qu'on a analysés et qui qui reflètent très bien et exactement cette situation. Ce sont deux études différentes. Ça ne doit pas vous intéresser l'arrière-fond, mais on a voulu voir que beaucoup de patients, qu'on ne les voit pas, on ne les répertorie pas et on ne les examine pas sur cette fatigue. Parce que s'il aura un trouble de motricité qui va être en avant-plan, et si le patient va être fatigué, très fatigué, alors on dit, oui, ben, c'est sûr, parce que s'il faut lutter comme ça pour bouger, alors on ne pense pas que ça peut encore être autre chose. Ou si quelqu'un souffre de troubles du langage et qu'il ne peut pas communiquer et que chaque phrase prend déjà tellement d'énergie, alors on ne pense pas forcément que à côté de ça, il y a cette problématique de la grande fatigue qui s'y ajoute. Ce que vous devriez savoir également, c'est que la problématique de la fatigue n'est pas seulement un facteur indicateur de l'AVC, mais nous la connaissons, par exemple, de façon très prominente avec les patients qui souffrent de MS ou des traumatismes du cerveau. Et cette symptomatique accompagne beaucoup de maladies neurologiques, presque toutes en fait. Et pour cela, c'est très important en tant que nous, les professionnels, avec nos patients, qui sont en contact avec nos patients, de vraiment regarder ce que les patients vont raconter
Je regarde ma montre. Et je vais peut-être continuer pour vous expliquer comment c'est possible qu'il y a tant de symptomatiques différentes, comme des hémiplégiques ou des troubles visuels, des troubles de langage, que tous ces troubles se manifestent de façon tellement différente et qu'il y a tant de personnes concernées souffrent quand même de cette grande fatigue. Permettez-moi ici, de façon très plastique, de m'adresser à vous. Vous tous, vous avez certainement déjà, vous vous êtes occupé déjà du cerveau. Et je vous invite peut-être de faire une petite excursion avec moi sur l'anatomie de notre cerveau. Et comme vous le savez certainement déjà très bien, c'est que notre cerveau, le système nerveux central, mais que le cerveau lui-même se structure de façon suivante. Nous avons la plus grande partie, le grand cerveau, ensuite le petit cerveau, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et en dessous, il y a encore le lobe temporal. Et chaque région a différents segments qui ont des devoirs hautement spécialisés à remplir. Et malgré ça, il en est que chaque portion du grand cerveau et du petit cerveau et du tronc du cerveau, bien qu'ils aient comme devoir, qu'ils ne travaillent jamais tout seuls, mais qu'ils sont toujours liés aux autres parties du cerveau. Tout comme les autres régions ont besoin des autres parties également. C'est-à-dire que c'est un team play. C'est une interconnexion entre toutes les régions cérébrales. Le niveau du jeu est tellement élevé que le plus faible maillon de ce cerveau peut participer également. Et lors d'un trouble neurologique ou d'une maladie neurologique, il en est qu'un joueur de cette équipe ne va réduire sa vitesse et les autres doivent compenser ceci. Ce qui va nous mener à ce que l'équipe entière est tout le temps sous grande tension. Pour le définir, le système visuel, pour prendre un exemple. Ici, à la au lobe tibétain, se trouve la partie où nous percevons les visions. Mais le chemin des yeux jusqu'à l'arrière fond du cerveau est très long. Et sur ce chemin, jusqu'à la première impression qui me dit « là, j'ai vu quelque chose », il y a beaucoup de choses intégratives qui vont se passer à l'intérieur. Les impressions rétinales doivent être reliées. Est-ce que c'est sombre ou clair? Et en même temps, les réflexions sur l'objet que je perçois doivent être mis en focus. Donc, c'est vraiment une grande cascade de mouvements très bien définis qui vont se faire en des temps de fractions de secondes pour dire « là, j'ai vu quelque chose ». Donc, si maintenant, à travers un AVC, le long de ce chemin visuel, j'ai un trouble, je souffre par exemple d'un trouble sanguin, alors il se peut que soudain j'aurai des problèmes avec l'accoutumation de voir vraiment est-ce que les choses sont bien précises, est-ce que j'aurai des problèmes de voir si les deux rétinas sont vraiment bien axées, je vais avoir une vision floue, mais personne ne peut vraiment l'expliquer. Si vous n'avez pas un trouble morphologique qu'on peut constater.
Mais cet exemple vous montre que notre cerveau est constamment dans différentes liées et qu'il doit communiquer. Et cela, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Donc des choses qui, dans un cerveau normal ou sain, vont en des fractions de secondes, eh ben, après un AVC, il faut vraiment beaucoup d'attention pour coordonner le tout. Et c'est ça que si nous pensons à notre batterie dans le GSM, eh ben c'est ça qui va prendre toute cette énergie de la pile. Et c'est ce que nous devons comprendre dans les diagnostics différentiels. Dans la neuropsychologie, nous devons vraiment voir précisément quelles fonctions neuropsychologiques peuvent être engendrées. Ici, je vous montre ici, ne vous en faites pas, il ne faut pas lire tout. Vous pourrez le faire peut-être en ligne après, mais c'est juste pour avoir une impression. Mais en top, j'ai mis l'attention et la concentration. Et ceci est dû parce que la post-stroke fatigue est très fortement liée à le trouble de concentration. Et dans la neuropsychiatrie, on peut la mesurer par des tests qu'on fait. Et normalement, c'est précisément cet endroit où, dans les thérapies neuropsychologiques, que nous pouvons commencer à travailler l'amélioration de la concentration. Ceci veut dire que le post-stroke fatigue naît parce que dans ce réseau très complexe, à un certain endroit, les données ne passent plus. Et c'est pour ça que la personne concernée doit tout le temps aller à l'encontre. Un exemple typique pour les troubles du langage sont si vous avez une ischémie du côté gauche et que vous n'arrivez plus à parler convenablement, ce n'est pas seulement le défi dans le langage que vous entendez, de le percevoir, mais en même temps, de communiquer l'hémisphère gauche, communique avec le côté droit. Et là, les structures spatiales du langage ou de la capacité de résolution des problèmes. Et cette architecture du langage, il faut la percevoir. Et si vous imaginez, c'est comme un jeu de ping-pong, en fait. Et c'est ça qui prend tellement de force et de ressources. Alors, comment est-ce qu'on peut le rencontrer sur le plan thérapeutique? Eh bien, en regardant de quoi a besoin le patient? Quelles sont les thérapies? Est-ce qu'il a besoin de logopédie, de physiologie, d'ergothérapie, neuropsychologie, de psychothérapie? Et ça, bien au-dessus des 12 mois. Je ne sais pas exactement au Luxembourg et comment est-ce que c'est arrangé ou organisé de par les caisses de maladie, mais en Allemagne, nous avons la chance que nos patients sont accompagnés jusqu'à 5 ans et qu'ils ont droit au niveau législatif d'être soutenus et traités de façon neuropsychologique. Je regarde ma montre. Alors, ça veut dire quoi exactement le processus neuropsychologique? Eh bien, tout d'abord, si nos patients viennent nous voir, nous discutons avec eux et nous leur posons des questions très ciblées. Nous avons bien sûr nous avons besoin du diagnostic, nous savons ce qui est arrivé, nous savons où est intervenue la lésion sur le plan
et nous pouvons créer des hypothèses pour voir ce qui, quels sont les troubles neuropsychologiques pour pouvoir les traiter de façon convenable. Et là, on ne parlera pas seulement des déficits, non, mais on va également voir quelles sont les fonctions qui sont encore bien entretenues. Donc, on voit les deux aspects et c'est important que nous le sachions pour vraiment rédiger un plan de voir quelles sont les compensations qu'il peut avoir. Voir ou qu'on peut travailler dessus pour compenser les déficits. Nous regardons également si en supplément de ceci, il a besoin d'un accompagnement psychothérapeutique ou psychologique ou s'il y a le désir avec ses membres de la famille de voir qu'on englobe toujours les membres de famille et pour les personnes qui sont encore dans la vie professionnelle, nous pouvons également, si c'est le désir, de également parler avec le patron pour voir, pour établir si jamais il y a une certaine relation de confiance avec le patron, c'est sûr. Donc, pour en terminer, je voudrais tout simplement vous donner trois règles quelques stratégies en fait pour la vie quotidienne pour combattre cette fatigue et pour réduire les nuisances. Donc ce que j'ai déjà répété plusieurs fois, c'est de prévoir des pauses. Nous passons du principe que même si les patients ont déjà fait un AVC il y a plus longtemps, toujours prévoir des pauses toutes les 30 à 45 minutes. Plus la concentration sera haute, plus la pause devra intervenir tôt. Beaucoup de patients n'aiment pas ça. Ils vont dire, ben non, je suis déjà tellement lent, alors comment est-ce que vous imaginez que je vais encore devoir faire des pauses? C'est pas possible. Mais quand même, ils vont quand même faire l'expérience que s'ils font des pauses, leur performance cognitive sera améliorée. Ce qui est très important, c'est que si vous avez des tâches très exigeantes dans une journée, je sais très bien que ce n'est pas toujours faisable dans la vie de tous les jours, mais essayez de prioriser les choses, surtout ce qui est très important de le faire tout d'abord. Et si l'après-midi, vous avez un rendez-vous ou vous n'avez pas d'influence dessus, alors essayez quand même de vous reposer pendant une heure et demie pour régénérer vos batteries. Respectez vraiment votre forme au cours de la journée parce que tout le monde a ses hauts et ses bas de voir quand est-ce que vous êtes le mieux, quand est-ce que vous aurez récupéré le mieux, est-ce que ce sera le matin ou l'après-midi ou le soir, et essayez si vous devez exécuter des tâches hautement, il faut beaucoup de concentration. Alors, faites-les souvent, on ne pense pas aux petites choses triviales non plus, mais rendez-vous, que ce soit très clair. Si vous avez des choses que vous devez compenser tout le temps, parce que ça vous prend tellement de force, et c'est pour ça que vous, pour toutes ces tâches-là où une concentration visuelle est requise, eh bien, d'avoir des séquences plus courtes. Ce qui est très important pour en terminer, c'est la communication. La communication ouverte. Il ne faut pas vous gêner avec vos membres de famille, vos amis, vos collègues, de dire clairement, eh bien, c'est comme ça. Après 30 minutes, vous êtes fatigué, vous devez faire une pause, vous devez vous lever pour que vous puissiez continuer votre travail qui demande de la concentration. Et demandez là où c'est possible de pouvoir vous du respect. Pas que tout le monde parle ensemble,
et que vous ne pouvez pas faire tout en même temps, mais que vous devez faire l'un après l'autre. Pour en terminer, je voudrais remercier Madame Keller pour le beau livre très touchant qu'elle m'a fait parvenir. Et moi, je cite qu'il faut être un lutteur. Parce qu'en effet, c'est une lutte dans la vie quotidienne, mais une lutte que vous ne menez pas contre vous, mais toujours dans votre sens, dans votre intérêt. Et j'espère que mon exposé ici a participé à ceci, à cette lutte, et que c'est une lutte que vous ne devez pas mener vous-même et tout seul. Dans ce sens-là, encore tous mes meilleurs vœux et merci beaucoup pour votre invitation. Nous remercions vraiment Madame Kuhn. C'était très bien. Nous allons continuer dans notre programme. Et là, j'ai pris Dr Monique Greif. Elle est membre du comité scientifique de l'ETA-SBL et neurologue au CHL. Et elle est représentante avec Chantal Keller au comité du CEF. Bon après-midi à vous tous et merci Madame Kuhn pour votre exposé vraiment fascinant qui parlait beaucoup de facettes et je suis sûre et certaine que vous pourrez encore continuer à travailler, à parler pendant des heures sur ce sujet. On ressent votre passion et merci beaucoup et je pense que je l'ai dit en luxembourgeois, merci beaucoup. Donc, encore une fois, Chantal et toute l'équipe ont réussi à vraiment bien organiser cette journée avec des gens intéressants. Et bien qu'il n'y ait pas de pause, on pourrait y réfléchir, mais on ne s'ennuie pas ici. Merci beaucoup aussi aux représentants de la politique et de la santé, du ministère de la Santé, qui sont là, qui nous soutiennent pour l'amélioration de la prise en charge des patients d'un AVC et qui sont toujours au rendez-vous lorsqu'on a besoin d'eux. Le sujet de la fatigue est un sujet très important et il s'aligne dans la suite de la santé mentale de cette semaine, cette campagne qui avait eu lieu la semaine dernière et où l'équipe avait cherché le sujet « Ma santé, c'est également ma santé mentale ». Rien qu'il faut dire que c'est aussi la santé mentale montre déjà le problème. Le problème que nous rencontrons au jour le jour dans notre société et où Mme Kuhn nous a rendu attentive dans notre sens en exposé. Ce sont des symptômes qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne peut pas toujours démontrer, et c'est sur ça qu'on les ignore tout simplement ou qu'on les met sous le tapis. La fatigue ne sent certainement pas en avant-plan, et c'est la tragique de cet éclair qu'on a soudain dans son cerveau et qu'on souffre de déficits corporels, motrices, ou de langage et la vie soudain n'est plus ce qu'elle était avant. Et seulement après une certaine phase de réhabilitation, on se rend compte que même si on a d'autres déficits, qu'on a pu les améliorer, on rencontre quand même, ou le patient se rend compte, que ce n'est plus comme avant. Pas tout est bien et ce n'est pas facile à vouloir mener une vie normale. Et dans la médecine, qui se fait de plus en plus sous un laps de temps, et bien le message, il est souvent que votre IRM, votre EEG, tout est bien. Et en fait, tout devrait marcher. Et ça, c'est encore les limites qu'on a encore sur les complexités de notre cerveau qui fait que nous fassions de tels diagnostics. Mais comme on vient de l'entendre ici, c'est une vraie complexité. Ce n'est pas seulement la localisation dans le cerveau qui va faire que tel ou tel réseau ne va plus marcher,
Non, nous ne pouvons même pas nous imaginer de tout ce que a besoin le cerveau humain pour pouvoir fonctionner dans la vie quotidienne. Heureusement, la recherche continue et je pense que dans un IRM fonctionnel, on pourra à l'avenir pouvoir prouver cette grande fatigue. Mais jusque-là, je pense qu'il est très important d'écouter, d'être à l'écoute de nos patients et de prendre le temps de reconnaître les symptômes et qu'on les prenne au sérieux et pas qu'on dise simplement non, il n'a pas réussi, il a quand même souffert un peu plus qu'on ne l'imaginait et il ne réussit plus sa vie au quotidien. Non, c'est pour ça que je dis vraiment merci qu'on avait choisi d'avoir choisi ce sujet aujourd'hui. Et pour moi, c'est très important qu'à l'avenir, on arrête de traiter, de partager la médecine entre corporel et physique, psychique. Non, le tout est un ensemble. Et moi, je vous remercie tous d'avoir passé cet après-midi avec nous ici et de garder la concentration et la motivation, très élevée pour pouvoir continuer notre lutte. Madame Reif, à vous aussi un grand merci. Et pour la chanson dont j'ai parlé tantôt, est-ce que tu me comprends? J'ai écouté plusieurs fois cette chanson et j'avais la chair de poule. J'étais toujours, ne me mécomprends pas, moi j'apprécie ta patience si tu penses pouvoir comprendre ce que tu dis. Toi tu dis que les pensées sont libres, mais mes paroles sont lourdes comme de l'étain. C'est une très belle chanson et peu à peu nous arrivons à la fin. Malheureusement, je dois dire, parce qu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris des choses et je suis contente d'avoir été partie de vous aussi. Pardon. Un grand merci, Madame Kuhn. Je suis très reconnaissante pour ce fantastique exposé. C'était très important pour nous d'avoir entendu vos propos. Et je pense que tout le monde qui a écouté cet exposé et qu'ils se sont dit « Ah bon, est-ce que c'est seulement 10 minutes qu'il était capable de m'écouter ?» Et je ne l'ai même pas remarqué. Et pour moi, c'est ça le plus important, que vous sachiez qu'un AVC, et j'ai souvent des crises lorsque les gens m'appellent et qu'ils me disent qu'il y a des médecins qui leur disent que ce que je n'ai pas récupéré, dans 6 mois, je ne vais plus jamais pouvoir le récupérer. Cela me choque. Et à chaque fois, je m'enrage vraiment quand j'entends qu'ici, dans notre pays, il y a des neurologues qui disent ça. Et j'ai un principe. Si j'aurais vécu par ce principe, j'aurais abandonné parce qu'après 1 an, j'ai seulement parlé 100 mots et encore la moitié était faux. Si j'aurais vraiment cru leurs paroles, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est une lutte. Il y a une vie avant l'AVC et une vie après l'AVC et elle ne sera plus jamais pareille. Ma vie d'avant n'est plus ce que j'ai aujourd'hui. Je suis reconnaissante d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, mais ma vie aujourd'hui est absolument différente. C'est une vie merveilleuse que je vis et je suis très ravie d'avoir créé la Blitz ASPL et chaque fois que nous nous rencontrons, ça me réjouit que nous apprenons des choses et que nous voyons que les choses avancent. Ce qui est très important, c'est mon centre de soins que vraiment je voudrais. Et maintenant, cette année, quelque chose, je ne peux pas révéler des détails, mais quelque chose de très important est arrivé et j'espère que l'année prochaine, je pourrai vous annoncer d'autres choses. Mais nous sommes sur le bon chemin. Et ce que j'aimerais vraiment, nous avons une université au Luxembourg, alors pourquoi n'est-il pas possible qu'il y ait une formation universitaire qui s'occupe de l'AVC?
tous nos spécialistes viennent de l'Angleterre et SAFE et font beaucoup de recherches, mais nous, nous avons une université. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ensemble avec l'Angleterre? Pourquoi n'est-ce pas possible? Nous, la fatigue, par exemple, serait un sujet très approprié pour faire quelque chose au Luxembourg également. Mais je suis presque arrivée à la fin de notre journée et je suis très, très reconnaissante pour cette journée merveilleuse et les beaux mots, les belles paroles que j'ai entendues ici. Et moi, je voudrais aussi exprimer à mon tour un grand merci. Merci en tant que concernée qui avait subi un AVC. On se voit seulement soi-même et il faut des années pour voir que l'autre membre de famille a également souffert. Et à un moment donné, il faut se dire, eh bien, j'avais un AVC, mais ma famille également a subi un AVC avec moi. Et parfois, je dois me dépasser et remercier ma famille également. Et c'est ça, peut-être une petite fleur ou un gros bisou vont suffire pour remercier la famille. Car la famille, elle souffre également. Et des fois, il faut se dire, eh bien oui, moi j'ai subi mon AVC, mais moi je dois vraiment remercier également mes membres de la famille. Et c'est très important de les remercier. Mais pas seulement les remercier. Ce qui est très important, c'est tous ceux qui nous accompagnent. Je parle des neurologues, des infirmières, les aides-soignants, de toutes ces professions de santé, que ce soit les ergothérapeutes, les neuropsychologues. Il faut les remercier tous pour qu'ils s'engagent. Et je reviens à Madame Kuhn et Madame Kuhn qui dit 5 ans de thérapie en Allemagne. Et où en sommes-nous au Luxembourg? Je crois qu'il faut encore œuvrer beaucoup pour qu'au Luxembourg, ce soit également possible de pouvoir suivre une thérapie pendant 5 ans. En tant que Blitz, lorsque la pandémie est arrivée, nous avons constaté que les familles étaient dans une situation désastreuse et qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pour cela que nous avons offert un soutien neuropsychologique. Et depuis la pandémie, nos membres peuvent avoir 5 séances par membre de famille et nous payons 10 séances. Nous avons beaucoup de gens qui sont là, qui sont sous traitement. Et je crois que c'est très important, ce point. Et il faut également que le gouvernement doit accepter ceci. On ne peut pas tout simplement laisser les gens à eux-mêmes. Et pendant 5 ans, on peut seulement en rêver. Et il faut vraiment œuvrer pour que les choses changent. Donc, un grand, grand merci. Je sais que tous les neurologues, tous les médecins ont beaucoup de choses à faire et doivent travailler beaucoup. Mais pour nous, ils sont toujours là. Et si le matin, à 5 heures, vous subissez un AVC et que vous rentrez dans un des 5 hôpitaux et qu'il y a des gens qui sont là et que nous trouvons que c'est tout à fait normal et que nous nous fâchons si rien n'est prêt à la minute près, mais il faut bien sûr savoir qu'ils doivent s'élever également pour nous soigner. Et c'est pour ça, remercions-les parce qu'ils sont là pour nous. Et ensuite, ici, vous voyez l'image de notre équipe qui a œuvré pour préparer cet événement de cet après-midi. Madame Kuhn, elle n'est pas là. Elle n'est pas sur l'image parce qu'elle avait disparu. Mais toutes ces personnes-là ont
collaboré pour organiser cette journée. Et un grand merci à cette équipe de Blitz, parce que sans eux, ceci n'aurait pas été possible. Et un grand merci à Tessie, qui travaille chez nous et qui a vraiment travaillé beaucoup. Et Audrey était malade, malheureusement, et c'est pour ça que Tessie a vraiment dédoublé son travail. Et Raoul, surtout aussi, Raoul qui, dès le premier moment, a préparé notre page Internet, et lui, il l'entretient, et sans Raoul, le Blitz n'aurait pas cette portée comme c'est possible maintenant. Pour l'instant, tous les jours, vous trouvez des informations sur notre page Internet qui le fait à côté de son travail de façon bénévole et à n'importe quelle heure de la journée, n'est-ce pas, Raoul? Je peux l'appeler et lui dire de mettre des choses tout de suite sur notre page. Donc, merci beaucoup. Et nous avons deux personnes qui sont dans la salle ici. Nous avons un groupe musical, Raymond Cavallini. Normalement, Claudine, elle est présente également. Aujourd'hui, elle n'avait pas le temps. C'est pour ça que lui, il est tout seul pour nous. Et nous avons notre photographe, Raymond Clément. Et merci vraiment pour lui. Et je vous souhaite encore une belle fin de journée et dégustez nos éclairs. Voilà, ça c'était. Merci beaucoup pour les gentilles paroles. Donc maintenant nous allons entendre Raymond Cavallini qui va terminer par un encadrement musical. Et moi je souhaite tout et chacun qui est dans ce processus, moi je sais, je vais peut-être dire quelque chose, mais pensez toujours, après un orage, il y a toujours un peu de soleil. Pensez à ce mot. Beaucoup de courage et des gens qui vous aiment et jusqu'à un autre jour. Pardon. J'ai oublié de remercier quelqu'un qui a mené à Joël pour tes mots charmants. Merci beaucoup.